La petite s'était endormie sur le canapé. Sa mère vint la réveiller. « Eh oh, la marmotte, il est temps que tu ailles chez le kiné. »« Oh non, pas le kiné, je vais encore souffrir le martyr et il va encore me tirer sur les jambes et les pieds. »« Oh là 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 là, pas le kiné, au secours, au secours. » »« Eh oui, mais tu n'as pas le choix, ma petite, il est temps que tu te fasses à l'idée. »« Si tu ne vas pas chez le kiné, comment pourrais-tu marcher par la suite ?»« Eh oui, elle avait raison, ma maman. » Comment pourrais-je marcher par la suite avec mes cannes si je ne vais pas chez le kiné? C'est essentiel. Je n'eus donc pas le choix, et ma mère m'entraîna vers le cabinet de kiné. Le kiné m'attendit, et la séance de torture commença. Des étirements, à n'en plus finir, jambes, pieds, mains, tout ce qui pouvait me faire... bouger était nécessaire. Mais je souffrais vraiment le martyre, et c'était difficile pour moi de concevoir une telle chose. C'était affreux, affreux, affreux. Chaque minute était une torture, et je préférais de loin m'enfuir dans mon pays imaginaire. Du moins, c'était ce que je souhaitais. La petite souhaitait, effectivement, retrouver ce monde où il n'y avait ni peine, ni souffrance. Surtout la souffrance était terrible pour elle. C'était affreux de se dire, à chaque semaine, qu'il fallait en passer par là. Mais elle n'avait pas le choix. C'était plus que nécessaire, et il fallait qu'elle s'y fasse. C'était une règle à la maison. Toutes les semaines, il fallait le samedi se rendre chez le kiné. Mais quelle torture! C'était vraiment le satyropathe, celui-là. Il passait son temps à étendre les muscles jusqu'à les étirer au maximum. Mais cela ne m'empêchait pas d'avoir d'énormes souffrances et de ne pouvoir marcher avec les cannes tripodes comme je les avais quand j'étais toute petite. Aïe, aïe, aïe! C'est terrible, cette souffrance. Quand j'étais petite, je marchais déjà avec mes cannes. J'avais quoi, 4 ans? Voilà, c'était ça mon enfer, les cannes. Mais je n'avais pas le choix, il fallait le faire. Et bien sûr que, avec le temps, j'allais pouvoir m'en sortir. Bien sûr que j'allais pouvoir marcher, c'est évident, mais... Avant cela, il fallait passer par des souffrances terribles. Et moi qui étais petite, je ne supportais pas du tout cela. Je préférais m'enfuir dans mon monde de rêve. Là, au moins, personne ne venait me déranger. Et c'était ainsi que le monde était pour moi. Pour la petite fille que j'étais, du moins à l'époque, je me réjouissais quand j'étais dans mon monde.